prends la valise. C'est Fredo. Mais c'est pas grave, on y va. Le bateau est prêt. Bonjour, mon commandant, on serre la main. Quel plaisir. Je ne m'attendais pas à voir autant de journalistes. Là, j'ai mes deux collaboratrices, c'est vraiment exceptionnel pour un Tahiti show. On s'y attendait pas. Vous faites partie de la troupe de Frédéric. Oui. Pouvez-vous nous faire part de vos impressions sur ce tournage de ce clip? Avec Fredo, tout est beau, c'est que du soleil. On l'a connu, moi je le connais depuis bien longtemps maintenant dans différentes soirées, tout au plus. Mais là, il s'éclate, il fait vraiment quelque chose de terrible. Il s'éclate pour de bon et nous on s'éclate avec lui. Eh ben, c'est super, en tout cas, merci pour votre témoignage. Avec plaisir. Et à bientôt. Ah, il est un peu là, hein. Quel comité d'accueil, j'en reviens pas. Il marche plus. Alors Fredo. Il marche plus ton poste. Attendez, tourne là-bas. Il marche plus. Tournée exceptionnelle. Bateau, tournage au bord de la mer. Le public qui est venu ici présent est nombreux. Alors, avec des appareils à photo, en plus c'est des téléphones. Alors donc. Je savais que cette journée serait sous le signe de la rigolade, mais je pensais pas rigoler autant, quoi. Parce que il y a eu plein d'aléas qui ont été relativement riches. Il y a le public qui est venu, ça a mis beaucoup d'ambiance. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est un tournage un petit peu atypique. D'habitude, nous tournons des fictions, nous tournons des de la fiction généralement. Et c'est vrai que l'expérience du clip, c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude. C'est bien un petit peu d'ajouter des cordes à son arc. Voilà. Donc sur ce, je vous dis au revoir. Et rendez-vous en 2016 pour la diffusion du clip. Quoi. Qui s'appelle Tahiti Show. Coucou. Bonjour madame. Alors vous faites partie de la troupe de Fredo. Oui. Est-ce que vous pourrez partager avec nous vos impressions sur cette journée de tournage? Franchement, on va dire que c'était explosif. Voilà, on s'est bien amusé, c'était spontané, naturel, dans la bonne humeur, la joie, ce qui correspond tout à fait à l'image de Fredo d'ailleurs, qui interprète la chanson. Et c'est génial parce que ça touche toutes les générations, c'est intergénérationnel, parce qu'il y a le timbre exotique de Tahiti, l'air principal, c'est un peu danse techno. Donc tout le monde est libre de chanter, de danser ensemble. Et puis vu la conjoncture actuelle et puis la misère et les tristesses qui se passent dans le monde, je trouve que c'est un éveil, c'est un soleil, ça va marcher. Moi franchement j'y crois. Et comme c'est un homme de cœur et qui est d'une grande humanité, je lui souhaite vraiment un grand succès et que tout le monde s'amuse et soit dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Quel soleil dans tous les cœurs, tout le monde. Très bien, merci pour votre témoignage, madame. Pendant des heures. Ouais. Donc on est là pour lui, on a participé, on le remercie. On sent que vous avez fait ça avec passion. Exactement, oui. En tout cas, je vous remercie pour votre témoignage. Merci. Voilà, bonne journée. Bonne journée. Voilà. Première prise, c'est pris. Non, mais c'est pour que le déclenche le bruit. À part s'il va se poser l'endroit, ils auront. Alors, les personnes concernées sont Gigi, Carlos, Guy, Dani et. Et David, tu y es pas. Et moi, je. Voilà. Voilà. Et moi, je suis interview comme ça. Voilà. C'est qui par contre sur les jeunes collègues pour aller où? Bonjour madame. Nana pour les intimes. Bonjour Nana pour tout le monde. Bonjour Nana pour les intimes. Nana pour les intimes, dites-moi, vous faites partie de la troupe de Fredo? Absolument. Et nous avons passé une journée délicieuse, le public était charmant et on s'est vraiment éclaté. Donc je souhaite à notre ami Fredo et à tous les amis qui étaient présents un grand succès pour ce clip très très festif. Et le public de notre région a participé et nous sommes vraiment ravis. Donc je souhaite à Fredo beaucoup beaucoup de succès avec Tahiti Show. Eh bien je vous en souhaite également. Merci. Et je vous remercie pour votre témoignage. Merci. Au revoir à madame. Vous.
Donc, bonjour monsieur. Bonjour. Donc, c'est vous, Fredo? Oui, c'est moi, Fredo, le Sud-Gallois, ouais, c'est ça. Voilà. Pouvez-vous partager vos ressentis sur l'expérience que vous avez vécue aujourd'hui? Une très bonne expérience, puisqu'on a pu constater qu'en tout en faisant le tournage, que les gens ont aimé et apprécié la musique. Musique retravaillée par Florent Combe, qui travaille au Conservatoire de Montpellier. Et donc, on voit que les gens ont été attirés par ce style de musique festive, en plus en bord de mer, à la Grande Motte ici. Une journée très agréable. Bon, c'est vrai que je suis le scénariste, le coproducteur. Enfin, on est quand même une vingtaine d'artistes régionaux qui participent à ce projet. Je tiens d'ailleurs à les remercier beaucoup. Mais on la réserve surtout pour l'été prochain, 2016. Belle aventure. Je remercie encore tous les artistes et tous les gens qui ont œuvré à cette journée, en passant par notre ami Lionel Pilot qui est obligé de partir, qui nous a prêté le bateau. Je tiens encore à le remercier. Et tous les gens, voilà. Je ne peux pas citer leurs noms, ça sera cité sur le film officiel du clip. Voilà. Je vous dis à très bientôt et puis encore merci. Ciao. Qui vous parle? Roger, enchanté Roger. Moi c'est David. Pouvez-vous nous faire part de vos ressentis sur ce tournage? Mais moi je crois que c'était un très grand moment et j'étais heureux de faire le chauffeur de Fredo. Eh ben, nous avons été heureux de vous voir à l'écran. Merci. Voilà. À bientôt. Et merci pour ce témoignage. C'était très bien. Merci. Au revoir. Merci. Elles sont déjà d'un premier abord, elles sont mouillées parce que je suis tombée dans l'eau. Oui. Voilà, c'était pas prévu, donc... En plus, à mois d'octobre, ça doit pas être chaud. Elle était pas froide quand même, mais en fait, ça m'a surpris. Hein. J'imagine. Voilà, on s'est éclaté, on a fait, je pense que ça va être un beau clip, un beau tube qui va marcher. C'est tout ce que je lui souhaite, de vous prendre mon cœur. Très bien, merci de votre témoignage, madame. Voilà. Remplir, c'est pris. Non, mais c'est pour que le déclenchement. Je passe des moments vraiment formidables. Toute une bande d'amis. Le morceau est sympa et tout. Et j'y crois. Je pense que l'année prochaine, ça pourrait faire un carton, comme dit l'autre. Ça a été formidable. Rien que des amis, du bonheur. Voilà. Je peux pas dire plus. C'était bien. Très bien. Voilà, je crois que les gens aussi de la Grande Motte ont participé, ils étaient là. Il y a eu une forte adhésion du public, en effet. Oui. C'est bien dit. C'est vrai, c'est vrai. Ben, on s'est régalé, parce que c'est vrai que la promenade en bateau ce matin, ça a été sensationnel. Le temps s'y prêtait. Et on s'est amusé toute la journée avec toute l'équipe et tout, là. Et on va certainement faire un carton avec tout comme ça. C'est tout ce que je vous souhaite. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Hein. Monsieur, vous faites partie de la troupe de Fredo. Oui. Pouvez-vous nous faire part de votre expérience d'aujourd'hui sur le tournage? Alors moi j'ai tout filmé et c'est moi qui vais faire le montage après et c'était fun. C'était Tahiti chaud. Ouais. Merci de votre témoignage, monsieur. Merci. Bonne journée. Allez. Bye.